Hello, hello! Comme vous avez pu le constater, pour ceux qui connaissent, je suis sur le plateau de l'Aubrac. Donc voilà, de grands, vastes paysages magnifiques, où on retrouve aussi un peu la neige. Et voilà, donc je voulais vous partager ce moment où aujourd'hui, je me suis dit, je vais tenter un truc, je vais tenter de traverser ce plateau de l'Aubrac pieds nus. Et bon, c'est sûr que beaucoup diront que je suis un peu fou, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que ça me permet d'aller plus lentement déjà, parce que bah, dans la neige c'est froid, ça fait un peu mal, mais d'un autre côté j'alterne en fait entre neige et l'herbe un peu sèche, c'est à dire que mes pieds s'anesthésient sous la neige, avec la neige, et du coup quand je marche sur les endroits qui piquent, et bah, je les sens pas, et quelque part ça me fait découvrir d'autres sensations et ça me permet aussi voilà, d'aller à un rythme beaucoup plus lent, ce qui me permettra de faire une étape plus petite mais qui aura duré quand même sur la longueur quoi. Et donc voilà, l'épreuve du temps aujourd'hui, l'épreuve de la glace. Et puis voilà, donc je voulais vous partager cette petite méditation du jour. Bon, j'ai remarqué une petite chose. Donc là, j'ai rejoint un peu la route, donc j'ai passé le plateau, une partie du plateau, à pieds nus. Et le fait, en fait, d'avoir des douleurs sur le pied, enfin, sous le pied, avec le froid et puis les cailloux, tout ça, et bien, en fait, ça m'a totalement fait oublier le mal que j'avais sur le genou. Et donc, c'est ça que je suis en train de me dire, c'est, en fait, on va amplifier la douleur en se focalisant sur bah, la douleur qui est présente. Et le fait en fait de mettre l'attention ailleurs, et ben bah, si vraiment cette attention est beaucoup plus forte, et ben bah, elle permettra voilà d'oublier celle qui nous prenait tout l'espace en fait. Et donc en fait là, moi je l'ai fait par la douleur, mais on peut très bien du coup porter une attention sur quelque chose de mieux, de plus positif j'imagine, pour en oublier la bah, la douleur quoi. Mais ça, voilà, c'est tout à chacun de le cultiver différemment. Bon, je vous conseille pas de faire ce que j'ai fait, hein, évidemment. Ça, c'est propre à moi-même. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Mais voilà, c'était la petite note du jour. Sont faites en granit avec les roches qu'on voyait sur le plateau de l'Aubrac. C'est vachement beau. La star du village.
Et les amis, aujourd'hui il pleut, il fait des rafales de fou, là j'en profite que ça se calme légèrement pour parler. Pour vous dire qu'on postait aussi, c'est ça, c'est la pluie avec le poncho. C'est les épreuves du temps qu'on peut pas contrôler, mais qu'on peut limiter avec le poncho, avec. Moi j'ai mis j'ai enlevé par exemple. Enfin j'ai pas mis de chaussettes, mais en gros j'ai remonté mon pantalon. Pour pas le tremper comme ça au moins. Et ben j'ai pas froid. J'ai pas froid au début, j'ai froid. Mais en marchant, ça réchauffe. Et ça permet de braver le temps. Les amis, je reviens d'une nuit d'un couvent sur 50 Dolt. Hier, ça a été une journée avec une ambiance vachement apocalyptique. J'aurais trop aimé prendre des vidéos de cette ambiance. Ça aurait été digne d'un film catastrophe. Et j'avais le vent à 100 km/h. J'avais la brume, je voyais pas où j'allais. J'ai eu la pluie toute la journée, de la grêle, de la neige. Puis la gadoue avec les dénivelés. Voilà quoi, là je suis rodé. Et tout ça pour vous dire que c'est vraiment un Compostel qui est totalement différent. Regardez, où je marche sur le bout de bois, qui est totalement différent de celui que j'avais pu vivre il y a 3 ans. Et en fait, du coup, par rapport à la préparation du sac que je vous avais proposé, et bien on va dire que ce serait le sac que je vous ai proposé, ce serait plus pour une période de mi-avril, voire début mai quand même. Parce que apparemment, en ayant rencontré des locaux, les tombées de neige comme il y a eu par exemple, ça peut se faire fin mars, voire début avril, là, comme la période dans laquelle je suis allé. Donc c'est pour vous prévenir les amis, que tout peut arriver sur Compostelle, et c'est sympa quand même à vivre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Et... En tout cas, moi j'ai été vachement blessé au genou, je ne peux pas faire de grandes étapes, j'ai perdu... beaucoup de monde avec qui je rencontrais, je marchais. Parce que je peux pas. Enfin, je vais à mon rythme en fait. C'est ça aussi, Compostel, c'est. Peu importe, je pense, son entraînement, peu importe le sport que vous faites à la maison, peu importe, on va dire, la routine. Le truc, c'est que sur Compostel, le fait que ce soit de la marche longue durée, ça apprend à s'écouter différemment parce que. C'est pas uniquement physique, c'est aussi social et adaptatif au terrain, au temps et puis aux autres aussi, parce que souvent on est testé sur le fait de vouloir marcher avec des personnes qu'on rencontre, qu'on a envie de avec qui on sympathise et avec qui on a envie de rester. Mais en fait, il y a tout un enjeu qui tourne autour de plein de facteurs. Et c'est cool. Aujourd'hui, je vais à Estaing. Une ville qui est à 20 km. Et hier, j'avais un peu trop forcé aussi. J'ai fait 35 bornes, je crois, à peu près. Tout seul. On va dire que c'est. Voilà, de temps en temps, c'est bien. Mais aujourd'hui, c'est tranquille. Tranquillou, pilou. 20 km. Ça va faire du bien. Bon. Écoutez, j'y retourne. À plus tard. Entendez l'oiseau? Attends.
dirait que quand j'essaie de jouer au piano et que j'appuie sur les touches au hasard, je me dis autant à l'époque ils se sont servis du bruit des oiseaux pour commencer à comprendre comment créer un piano. En tout cas, à commencer à découvrir les sonorités et en faire un instrument, quoi. Trop drôle. Là, on est en Aveyron, les amis. C'est marrant, sur ce rocher, on voit peut-être pas bien sur la vidéo, mais de loin, ça fait comme une coquille, de la coquille Saint-Jacques. C'est le seul endroit où ça le fait là. Représentation du jugement dernier avec ce côté qui représente le passage aux enfers, ce côté le passage au paradis selon si ton âme elle est pure ou mauvaise. Mais bon, ce sera pas pour aujourd'hui parce que la porte est fermée. Là ici on a un bâtiment, voilà, qui permet de faire du canoë de Espalion à Estaing, donc une petite descente par la rivière, sympathique, mais voilà, ça ouvre, je sais pas, c'est pas écrit, mais je sais qu'en été c'est ouvert pour ceux qui veulent se faire un petit kiff. Si vous avez déjà vu un mollusque aussi gros que ça, et en tout cas il a l'air vraiment vrai, quoi. Donc la même texture que dans les huîtres. Si vous savez ce que c'est, je veux bien que vous me le dites. Les amis, quelle belle journée ensoleillée, ça fait plaisir. Là, je pars d'un gîte d'Estaing, gîte communal, voilà, avec qui j'ai été, avec 4 pèlerins, super, de belles rencontres. Ça fait vraiment du bien de voir cette chaleur humaine après ces dernières étapes. Et du coup, ce qui m'a pu aussi me faire prendre conscience, d'écouter un peu plus mon corps, bon, je me répète, mais cette fois-ci, je suis allé voir un docteur. Ce matin, et pour voir, ouais, pour montrer mon genou et mes pieds. Et en fait, il s'avère que ouais, j'avais bien besoin d'une genouillère et d'une chevillère parce que j'ai un déchirement au niveau du genou sur le côté, des ligaments.
et à la cheville, j'ai une tendinite du tendon d'Achille. Donc en effet, c'était gonflé. Ça faisait mal, mais je me suis dit, bon, avec la marche, tout ça, ça, petit à petit, ça va partir. Mais non. Et du coup, alors, c'est vrai qu'il y avait cette phrase qui revenait souvent. Il faut trouver chaussures à son pied. Moi, il y a 3 ans, comme je vous ai expliqué, j'avais utilisé des sandales de randonnée, voilà, qui étaient haut de gamme, qui étaient vachement adaptées. Et je les avais essayées avant. Que là, j'ai pris des sandales Teva, mais qui étaient d'un ancien modèle, qui étaient d'occasion à 10 euros. Donc, je ne sais pas comment, si elles ont durci. Enfin, je ne les ai pas essayées avant de partir, en fait. Et c'était ça, le plus gros des soucis. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que ça me fait mal sur tout le pied, quoi. Les sangles, ça avait un bon maintien, mais à la longue. Et puis, j'étais pas assez entraîné avant de partir. Bref, en gros, je peux trouver tout un tas de raisons. Mais tout ça pour dire que là, maintenant, tout de suite, je pense qu'il va falloir du repos. Parce que le médecin me disait que là, il faudrait que je m'arrête direct pendant au minimum 48 heures. Le temps que ça se forme, parce que si jamais ça touche le ménisque, il avait un doute sur le genou, par exemple. Après, c'est le plâtre pendant plusieurs mois. Bref, ça, c'est les peurs. C'est les peurs, les croyances qu'on a en fait à l'intérieur, mais qu'il faut quand même écouter. Et je pense que là, en fait, moi, j'ai envie d'aller jusqu'à Conc. Là, il me reste 2 étapes. Donc, je vais les faire à petite dose. Je vais marcher peut-être. Je vais faire. Il y a 35 bornes, je crois, jusqu'à Conc. Je vais faire moite-moite, quoi. Je vais faire 17-18. Et ce sera très bien déjà à mon rythme étalé sur toute la journée. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est la première base sur Compostelle, en tout cas, c'est apprendre à écouter son corps et ne pas vouloir forcément écouter le mental qui dit « faut aller plus loin, faut aller plus vite ». Et voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai pu aussi comprendre avec les pèlerins avec qui j'ai conversé hier et ce matin. Voilà, ça a été, on va dire, l'élément déclencheur qui m'a permis, on va dire, de consulter. Parce que j'entendais des personnes qui me prévenaient. Mais bon, moi, j'étais confiant. Mais voilà, tout va bien. Et puis, je verrai. Et puis, si vraiment c'est trop galère avec mes sandales, j'essaierai de me trouver une paire de pompes. Je sais pas, adaptées. Je sais pas comment je vais faire. Mais je sais que ça, dans certains gîtes, de temps en temps, il y a des gens, ils laissent des pompes. Donc, voilà, j'en vois l'intention de trouver peut-être une paire de chaussures. Et puis on verra ce qui se passe. Voilà, je crois en la vie en tout cas. Bon les amis, direction, je ne sais pas encore, la moitié de Conc. et puis nous verrons pour la suite de ces aventures. Oui aussi, je voulais vous dire les amis, dans la vidéo, enfin un peu en arrière, j'avais parlé du chant des oiseaux. De la sonorité qu'émettent chaque oiseau, j'arrive plus à parler. Et ce qui est drôle, c'est que cette nuit, j'ai fait un rêve et j'ai l'impression que du coup, vu que j'ai porté l'attention sur les sonorités des animaux que j'entendais, j'ai rêvé vraiment de grandes symphonies, en fait, de musique, je pense, connue, que j'ai déjà dû entendre quelque part, et qui ont résonné dans tout le. Dans tout l'orchestre de mes rêves, en fait. Et c'est incroyable. Et je pense qu'avec l'imaginaire, on peut vraiment créer tout un tas de mélodies, de choses, en fait, de croyances. Cette nuit, c'était ça. C'était l'odyssée des oiseaux retranscrit en musique avec, j'imagine, tout un tas d'instruments, de violon, de piano, d'instruments à cordes, enfin voilà, ce que vous voulez, on peut tout imaginer, et de le chanter par la suite sur les chemins quand vous êtes seul, ça remplit en fait une émotion vachement grande d'amour, de joie, qui part du plexus et qui remplit tout le corps et qui fait oublier d'ailleurs toutes ces douleurs que j'endure, parce que c'est ça le chemin aussi, c'est la souffrance, c'est l'amour, la dualité. Amour, la haine, la souffrance, la douleur, la souffrance, l'apaisement, l'extase, enfin voilà, ce que vous voulez.
Bisous les amis, bisous bisous. Des petits refuges par-ci par-là, avec un ancien four à pain. Alors on retrouve parfois des ruines aussi sur les chemins qui racontent voilà des parties de l'histoire. Je sais pas, après on peut s'imaginer ce qu'on veut, mais c'est plutôt sympa. Les amis, cette roche, c'est du schiste. Vous savez là, ce gaz qu'on fait là avec le gaz de schiste. En fait, j'avais jamais vu à quoi ressemblait la roche. Bah c'est ça. Voilà. C'est avec ça qu'on fait des gaz pas très bons. Mais je savais pas. Voilà. Gîte ici, tous tes soucis. Hop. Mon pied. Bonjour les amis, alors nous voilà direction Conques. Conques, hier j'étais au Soulier qui est un Donativo super chouette que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables. On a beaucoup discuté autour de la chrétienté et voilà, donc ça m'a permis de découvrir un petit peu plus l'histoire et le ressenti des personnes voilà, qui ont cette foi. Et puis aujourd'hui, voilà, je pars d'Espérac, je suis passé par Sénergues, et je vais jusqu'à Conques, qui fait une étape à peu près plus ou moins, un peu moins de 20 km. À Sénergues, je me suis arrêté, bah c'est le village que vous avez pu voir juste avant, en vidéo. Je me suis arrêté, il y avait un concours de maillet, ce jeu avec les quilles là, qu'on fait par équipe de 3, pour lancer une quille, et en faire tout, on fait toutes les quilles sauf une, ce qui fait un point, je connaissais pas du tout. Le soleil et ouais, c'est sympa de m'arrêter parce qu'il y avait Sébastien, d'ailleurs coucou à toi, qui m'a présenté ce jeu et qui avec qui j'ai beaucoup discuté et c'est j'ai trouvé ça très convivial, très sympa. Et tout ça pour dire que j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans la vie, dans notre vie quotidienne, enfin en tout cas moi chez moi, un peu métro boulot dodo, on se voit avec les collègues, qu'on se dit ça va, etc. On se raconte toujours plus ou moins les mêmes choses. Et ces choses-là, en fait, c'est souvent des choses qu'on entend au travers des médias, au travers des bouches à oreilles, mais vous savez, c'est toujours assez lointain. Et parfois, voilà, on demande de... enfin, on a envie de résoudre certains problèmes ou d'aider, mais toujours par l'intermédiaire de, ou en rendant service à, mais voilà. Et là, sur les chemins de Compostelle, j'ai remarqué que bah, tu marches 20 bornes, voilà, tu es présent à chaque instant. Et du coup, tu fais des rencontres spontanées, tu aides spontanément, tu donnes spontanément, si tu t'ouvres en fait. Et du coup, tu fais des choses en fait dans le concret quotidien. Tu fais des choses, voilà, entre pèlerins par exemple, bah, voilà, c'est un petit peu le Radio Camino. Il y a des histoires qui se passent, c'est pas tout le monde est au courant en fait par le biais de bouche à oreille. Et puis quand on rencontre après les personnes, ben on peut interagir directement, on peut se soutenir, résoudre voilà, des soucis, puis entre guillemets refaire le monde dans du concret quoi. Enfin voilà, je sais pas comment faire comprendre, mais en gros, je sais pas, j'ai le sentiment que on va dire que dans ces instants donnés,
les choses que l'on fait sont beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus concrètes, et que ça élève beaucoup plus que ce que toute cette peur qu'on peut nous engendrer au quotidien, je sais pas moi, dans les médias, dans des restrictions, dans des interdictions, et que voilà, on peut rien y faire, mis à part angoisser et voilà, et chercher une issue voilà, pour s'en sortir. Que juste en lâchant tout ça, j'ai l'impression, et en faisant juste à notre petite échelle des actions quotidiennes de bienveillance, d'entourage, et ben ça contribuera beaucoup plus à s'élever soi-même, et c'est un bon départ pour changer le monde en commençant par se changer soi-même. Voilà les amis, pour la petite parole du jour. Toujours pas de stabilisateur, c'est beau hein. Toujours pas de stabilisateur parce que en fait ouais je galère vraiment là avec mes douleurs je suis navré, je m'économise, voilà je m'arrête pas et on fera ça dès que j'irai mieux avec le stabilisateur. Ciao. Salut à tous, je vous présente Clément, voilà, un pèlerin de Compostelle. D'où tu as commencé le chemin de Compostelle? J'ai commencé du Puy-en-Velay. Ouais. Et tu viens d'où alors? Je viens du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais, ok. Et du coup, ce chemin, t'en as entendu parler comment? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir le faire? J'en ai entendu parler il y a une dizaine d'années. Comment exactement, je ne me souviens pas. J'ai toujours été un peu attiré en fait par le chemin, j'ai eu envie de venir le faire et là je me suis fixé une date, je me suis tenu quoi. Maintenant je suis là. Ouais, ah mais complètement. je suis là, voilà. Du coup, t'as un bon ressenti jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui te. C'est. Ouais. Ouais, c'est une expérience vraiment incroyable. Mmh. Les rencontres que tu as fait sont. Dès le premier jour, de toute façon, déjà dans le train, j'ai déjà rencontré quelqu'un. On est resté la journée ensemble pour visiter le Puy-en-Velay. Le lendemain, on a fait la première étape ensemble. On a rencontré d'autres personnes ensemble. J'ai voyagé entre plusieurs groupes. Et là, maintenant, on est un petit groupe où on voyage plus ou moins ensemble. On se retrouve le soir. Et même avec d'autres pèlerins, on se retrouve tous les deux, trois jours. On discute ensemble, ça, on partage. C'est parfait. Il y a beaucoup d'échanges, donc c'est ouais, pas mal. C'est nourrissant. Oui, c'est ça. Et au niveau physique, comment tu le sens? Est-ce que tu as vécu des choses qui t'ont un peu... Physique, pour ton corps. On a eu une première semaine un début de semaine un peu compliqué avec énormément de neige sur les chemins, donc pas mal de congères, des chemins impraticables. Et vraiment, ça a été très difficile et on a eu pas mal de blessures, donc au niveau des genoux surtout. Et faire très attention, on s'en soigne tout de suite dès que ça vient, on commence à soigner. Et... Ouais. Pour prévenir et... C'est ça. Ouais, tu utilises des huiles, ce genre de choses Pour prévenir, soigner, oui, masser Baume du tigre, le matin on met des huiles anti-frottement, des pommades, des crèmes anti-frottement. Oui. Pour, au niveau des pieds, des hanches pour le sac. Ok, donc, ouais. Pour le frottement. Le frottement de la ceinture du sac, les épaules pareil, la crème anti-frottement, et puis ça passe quoi. Totalement. Et après une crème hydratante le soir, hydratante, apaisante. Et on dort bien. Tout va bien. Un petit conseil pour les personnes qui aimeraient se lancer sur les chemins de Compostelle. Tu deviens comme ça. Attention au sac à dos. Le poids du sac à dos, c'est très 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 important. Parce que on entend souvent dire on se délaisse en allant sur le chemin. Donc on renvoie des affaires ou on donne des affaires. On n'y croit pas trop, on se dit... Non, pas moi, mais si. On renvoie des affaires, ah, effectivement. Ça paraît pas tout le monde, c'est vrai. Et puis, bon, on en donne, tout simplement. Mm. Ouais. Tout à fait, on peut on laisser. Plus léger mentalement, on s'allège mentalement, mais aussi le poids du sac à dos, parce qu'au final, c'est ce qui vient jouer sur les genoux aussi. Ah oui, ouais. On porte notre poids, ouais, le poids de... Le meilleur conseil, c'est d'oser y aller. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Clément. C'est quoi. Impeccable. Salut les amis. Salut.
Bonjour les amis. Bonjour à tous. Je vous présente Hervé du coup du gîte Les Volets Bleus qui se situe sur Decazeville. Et donc avec ce hameau, ce havre de paix magnifique dans lequel vous pouvez voir juste derrière ce beau jardin. Et voilà, qui m'a accueilli avec vraiment beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Je le remercie infiniment pour ça. Et j'ai passé un très bon moment. Bah pour nous, ça a été un grand bonheur de rencontrer Anthony. On l'a accueilli hier après-midi. On l'a vraiment impliqué dans la vie du gîte. Il a participé à plein de choses. Et même à faire le lit tout à l'heure. Anthony, ça a été la belle rencontre de la journée, parmi d'autres pèlerins aussi. Et je voulais profiter de sa petite chaîne YouTube pour parler de son chemin. Il nous a expliqué un peu son parcours. C'est très touchant, très touchant. Et à travers ça, moi je vais parler du gîte, ce lieu d'accueil, un lieu magique où on fait des rencontres incroyables. Le plaisir d'accueillir ces pèlerins, pour nous, c'était un réel bonheur. Avec Pascal, parce que Pascal, elle est occupée là, mais en tous les cas, Anthony nous a apporté son aide et à travers sa présence, il en a profité pour créer une petite chaîne YouTube sur le gîte Les Volets Bleus à Decazeville. Et à travers cette chaîne, je vais faire parvenir des événements, au quotidien ou pas. En tous les cas, c'est chouette, c'est chouette. Et je remercie vraiment Le Chemin pour cette belle rencontre et encore plein de belles rencontres à venir. Voilà, c'est chouette. Merci infiniment Hervé. Je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de Pascal et Hervé du coup dans la description pour aller voir et découvrir ce magnifique gîte. Et voilà, encore merci. Merci à toi. À très bientôt. Merci. Tching. Hello. Il s'est passé tellement de trucs là. J'ai pas fait de vidéo là depuis deux jours. Parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Là, j'étais à Decazeville. Donc, le témoignage que vous avez pu voir avec Hervé, c'était au gîte Les Volets Bleus à Decazeville. Et c'était incroyable. C'était une superbe rencontre. Encore merci de m'avoir fait vivre autant de bienveillance et d'amour. C'était incroyable. Vraiment. Par où commencer? Je suis parti de Conques. J'ai volontairement pas trop filmé à Conques pour justement vous laisser découvrir le jour où vous irez à Conques pour les pèlerins qui ne sont pas encore fait le chemin de Compostelle, qui souhaiteraient le faire. Et parce que c'est un moment voilà bien à soi. Et je pense qu'honnêtement. Voilà, je préfère laisser la surprise, je pense que sur YouTube vous pouvez trouver des vidéos de Conques si jamais vous voulez vraiment aller voir. Et voilà, donc pour Conques. J'ai été super bien accueilli par l'abbatiale, voilà, qui m'ont vraiment pris, on va dire, sous l'oreille, dans le sens où ils m'ont invité et puis ils ont pris vraiment soin de moi, et ça a été une expérience aussi très intéressante. Donc voilà, j'ai eu une petite galère, j'ai eu des, je crois pas que ce soit des punaises de lit, je sais pas, peut-être que si, j'ai des boutons de partout en fait, depuis deux jours là, et ça a été vraiment compliqué, je dormais quasi pas la nuit, c'est souvent sur tout le corps, j'en ai eu sur les chevilles, sur le dos, les bras, la taille, les jambes, enfin, de partout. Et, je ne vais pas citer de gîte, hein, parce que dans tous les cas, le nécessaire a été fait, a été nettoyé, j'ai pu passer mes vêtements, le sac, tout ce qu'il faut. Alors là, c'est la gadoue. Avec un appareil à vapeur qui chauffe à 100 degrés. Et j'ai pu faire des machines à laver, voilà, j'ai tout fait impeccable. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser partir les boutons. Donc, ça a été une épreuve en plus. Mais voilà, j'ai su quand même garder la joie, la bonne humeur tout le long pour souffler voilà, et pouvoir passer cette étape. Parce que ce que j'ai appris aussi au gîte Les Volets Bleus, en tout cas, c'est ce dont on discutait avec tous les pèlerins, et Hervé et Pascal. C'est que même quand il fait moche, le ciel, s'il va pleuvoir,
si on a mauvais temps, si on a une galère, si on a quelque chose voilà, qui fait partie de la nature et qu'on ne peut pas contrôler, bah, au lieu de s'en plaindre, et bah, essayer juste d'accueillir, de remercier, enfin pas forcément remercier, mais juste, juste être dans l'accueil et essayer de le tourner au positif. Et ben, bah, ça permettra que ça passe plus vite déjà et de moins se tirailler pour que voilà, ça soit pas un frein pour la suite du chemin, quoi. En fait, tout simplement, là, le chemin ou peu importe ce que vous vivez au quotidien. Donc voilà, c'était super. Que dire de plus? J'ai ma mère qui est passée aussi avec son amie Françoise en caravane, donc j'ai pu me délester de pas mal d'affaires dans mon sac qui me pesait un peu trop lourd vu qu'il est passé dans le coin. Voilà, ça m'a permis de lâcher du poids. Voilà, du coup ça m'a permis de voir ma mère aussi, c'était super chouette. On a bien échangé, j'ai pu leur montrer où j'étais du coup dans le gîte Les Volets Bleus. Ouais. C'était vraiment un petit oasis, un petit hameau de paix avec un moment détente en famille. C'était chouette. Là je me dirige, je sais pas, je suis parti un peu tard, je pense pas faire une grosse étape aujourd'hui, je vais peut-être faire 20 km à peu près, et puis voilà, on verra où je serai d'ici là. Bon les amis, j'essaie de faire court parce que j'ai vécu tellement de choses que ça mettrait vraiment 10 ans à intégrer dans la vidéo, donc je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. C'est mon petit final pour la deuxième vidéo et je vous embrasse et à très vite.